La puissance de votre subconscient pour améliorer la confiance et l'estime de soi. Par Joseph Murphy. Lecture par Olivier Hirion. Chapitre 1. Établir une confiance en soi. Si vous pensez que vous êtes un raté, vous ne pourrez qu'échouer. Tournez-vous plutôt vers la réussite. Prenez conscience que vous êtes né pour gagner et que l'infini ne peut être vaincu. Imaginez que vous êtes prospère, heureux et libre, et vous le serez. Ce que vous pensez et ressentez avec votre esprit conscient s'incarne dans votre subconscient et se manifeste dans votre expérience de vie. Telle est la loi de l'esprit, et elle est inaltérable, immuable et éternelle. Il n'est pas question d'avoir foi dans des dogmes, des traditions ou des enseignements religieux, mais plutôt de croire aux lois de votre esprit et à la bonté de Dieu dans le monde des vivants. Cette intelligence créatrice qui répond à vos pensées, vous pouvez croire que vous attraperez froid si vous êtes exposé à un courant d'air ou si une personne de votre entourage éternue. Et vous pouvez également croire que votre entreprise commerciale sera un échec. Dans de tels cas, vous vous concentrez sur la mauvaise chose et vous récolterez du négatif. Une femme m'a confié un jour : « Pendant 10 ans, j'ai été convaincue que je passerais ma vie seule, que personne ne voudrait se marier avec moi et que je vivrais dans la tristesse. Puis un jour, j'ai lu votre livre, Le pouvoir de votre subconscient, et j'ai appliqué les prières qu'il préconisait. Maintenant, je suis heureuse en amour, j'ai un mari merveilleux et j'ai le bonheur d'avoir 3 enfants adorables. » Cette femme a transformé une foi tournée vers le négatif en une anticipation joyeuse du bien dans tous les domaines de son existence. La peur constitue une foi placée au mauvais endroit. Croyez plutôt en la bonté de Dieu, en l'amour divin et en la présence curative. Le subconscient de cette femme a répondu à sa croyance, car la loi de la vie est la loi de la croyance. En quoi croyez-vous? Croire signifie accepter qu'une chose soit vraie. Ayez confiance en ce qui est vrai, aimable, juste, pur et bon. Si une chose est digne ou vertueuse, ayez foi en elle. Par-dessus tout, vous avez besoin de croire en vous-même, en ce que vous faites et en votre destin ultime. La confiance en soi prend toute sa dimension lorsqu'elle se voit accompagnée de la croyance que votre moi véritable est Dieu et qu'avec Dieu, tout est possible. La Bible fournit la clé à l'établissement d'une autonomie spirituelle, mais sans foi, il s'avère impossible de plaire à Dieu. Vous devez commencer par croire que Dieu est et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. À travers les temps, tous les hommes et toutes les femmes pourvus d'une autonomie spirituelle ont ressenti la conviction profonde et persistante qu'ils ne faisaient qu'un avec la présence divine qui les habitait. Dieu est l'esprit vivant en vous et il n'a pas de visage, ni de forme, ni de silhouette. Il est éternel, sans forme et sans âge. Tournez votre attention, votre dévotion et votre loyauté vers l'amour divin qui vous habite et qui vous a créé, ainsi que l'univers. Il est tout puissant, il sait tout et il voit tout. Quand vous êtes en harmonie avec lui, le pouvoir infini vous répond et vous réalisez des choses merveilleuses. Tout au long de l'histoire, des gens formidables ont eu confiance en eux sans être pour autant agressifs, égocentriques ou intolérants. Jésus, Moïse, Bouddha, Lao Tzu, Confucius, Mahomet et de nombreux autres ont accompli ce qui était soi-disant impossible
grâce à leur conviction absolue qu'ils pouvaient obtenir ce qu'ils désiraient en se reposant sur le pouvoir divin pour avoir plus de force et d'inspiration. Ils étaient tous des êtres humains, comme vous. Vous ne pouvez pas réaliser beaucoup dans ce monde sans la foi. Par exemple, quand les fermiers plantent des graines, ils ont foi dans les lois de l'agriculture. Les chimistes ont foi dans les principes de la chimie. Et les professionnels de la médecine ont foi dans leur connaissance de l'anatomie, de la physiologie, de la pharmacologie et de la chirurgie. De la même façon, les ingénieurs possèdent une foi implicite dans les règles mathématiques et physiques. Ils conçoivent des bâtiments en se fiant à des lois scientifiques qui existaient avant que les êtres humains ne foulent le sol de notre terre et que les églises n'existent. Vous pouvez ressentir la même foi inébranlable à l'égard des lois de votre propre esprit, lesquelles sont les mêmes hier, aujourd'hui et à jamais. Quiconque pense que les axiomes de chimie, de physique et de mathématiques sont différents des lois à l'œuvre dans l'esprit, vit à l'âge des ténèbres. Ces lois mentales et spirituelles sont aussi fiables et immuables que le principe de la gravité. Nous savons avec certitude que si nous pensons au bien, des résultats positifs s'ensuivront. À l'inverse, si nous pensons au mal, c'est du négatif que nous obtiendrons. Pour établir une confiance en soi, la première étape consiste à croire que le pouvoir infini en vous est ce qui fait pousser vos cheveux et vos ongles et ce qui vous permet de digérer votre nourriture. Il vous protège quand vous dormez et il gouverne les battements de votre cœur ainsi que tous les organes et processus vitaux de votre corps. Par exemple, si vous vous coupez, il vous soigne sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Si vous vous brûlez, la présence curative réduit l'œdème et vous fournit de nouveaux tissus et une nouvelle peau. Le principe de vie qui réside en vous cherche toujours à vous guérir. Vous savez également que vous êtes vivant et que vous avez un entendement et un esprit, car vous ressentez de la joie, du ravissement et de l'amour quand vous plongez vos yeux dans ceux de votre enfant. Toutes ces émotions sont invisibles et pourtant bien réelles. Ainsi, croyez en ce pouvoir infini qui se trouve en vous. Sachez que Dieu est votre essence. L'esprit vivant qui vous habite n'est jamais né et ne mourra jamais. Il est ce même principe de vie qui existe en vous, à travers vous et tout autour de vous. La deuxième étape consiste à communier régulièrement avec cette présence toute puissante. Créez votre vision en réalisant que votre réalité se conformera à cette image puissante. Votre vision est ce à quoi vous accordez votre attention et ce que vous pensez en silence à cet instant même. C'est là où vous allez et c'est ce qui va vous arriver. Laissez votre rêve se tourner vers l'abondance, l'action juste, l'inspiration et l'amour divin, et vous deviendrez comme la neige accrochée à la montagne que le soleil fait fondre et qui s'écoule ensuite telle une rivière de vie, nourricière des vallées. Quelle différence cela fait-il si vous avez dérivé et échoué plusieurs fois? Désormais, vous savez que la présence divine réside en vous, qu'elle vous répond et qu'elle souhaite votre bonheur. Mettez en mouvement l'esprit infini qui est en vous et éveillez ce géant endormi qui vous habite. Fiez-vous encore plus à cette intelligence créatrice qui vous habite qu'à votre père ou à votre mère humain. Quand la pensée « je n'y arriverai pas » surgit dans votre esprit, affirmez mentalement « mais la présence divine y arrivera. Elle est infiniment puissante et rien ne peut s'opposer à elle ou la défier. Elle est toute puissante. »
Si des pensées négatives apparaissent, examinez toutes les difficultés et tous les obstacles et affirmez avec courage « L'intelligence et le pouvoir infini ne connaissent ni obstacle, ni retard, ni empêchement. » Trouvez une affirmation qui annule toutes vos pensées pessimistes et votre vie deviendra de plus en plus merveilleuse et bénie au fil du temps. Vous remarquerez que vos obstacles et vos défis se transformeront en opportunités. Votre peur deviendra de la foi et votre doute se transformera en certitude que la présence omnisciente est en vous et que des merveilles se réalisent lorsque vous êtes en harmonie avec elle. J'ai eu l'occasion d'avoir une discussion particulièrement intéressante avec le propriétaire d'un hôtel situé à Lisbonne, au Portugal. Celui-ci m'avait confié avoir débuté en tant que serveur un petit restaurant. Quand son patron lui demandait de faire quelque chose de spécial, il répondait souvent « Je vais essayer de le faire ». Si bien qu'il a fini par lui faire la remarque « Ne dis jamais je vais essayer », mais dis plutôt « Je vais le faire », en étant convaincu que tu en es capable. C'est ainsi que Dieu te répondra. Puis, le propriétaire de l'hôtel a ajouté « J'ai suivi ce conseil et je n'ai plus jamais dit « Je vais essayer ». Je commence à croire en moi-même et à être convaincu que la présence infinie réside en moi. » Cet homme a commencé à affirmer peut-être 1000 fois par jour « Je vais être propriétaire d'un grand hôtel ». Et il était convaincu qu'il en serait exactement ainsi grâce au pouvoir de l'infini. Un beau jour, il ressentit un besoin pressant de se rendre au casino de Monaco et il demanda à un ami de l'accompagner pour lui expliquer les astuces des jeux d'argent. Il savait qu'il allait gagner, il en avait la conviction au fond de son âme. En effet, ses gains à la roulette furent fabuleux et lorsqu'il eut amassé assez d'argent, 100 000 $, pour pouvoir faire un dépôt pour son futur hôtel, il s'arrêta de jouer et ne recommença plus. C'est de cette façon que son subconscient répondait à sa prière. Il m'a confié « J'ai ouvert l'hôtel et j'ai maintenant fini de rembourser mon prêt. J'ai réussi au-delà de mes rêves les plus fous. Décidez maintenant, à cet instant, que vous pouvez obtenir ce que vous désirez. Être ce que vous souhaitez sincèrement être et avoir ce que vous voulez posséder. Il en sera fait selon votre conviction. Ne laissez rien vous arrêter ou ébranler vos convictions, car votre croyance positive vous permettra inévitablement de réussir et d'aller de l'avant. Que possède une personne extrêmement riche ou un grand homme d'affaires que vous n'avez pas? Une seule chose, la confiance en soi. Ces personnes croient en elles et au pouvoir qui les habite. La confiance est une foi placée dans un principe et dans les pouvoirs de l'esprit. La première étape pour établir cette confiance consiste à croire en ce pouvoir infini qui vous habite. Parce que les gens prospèrent, se fient au principe directeur ou à l'amour divin, ils dégagent puissance et confiance. C'est ainsi qu'ils gagnent votre respect dès que vous les rencontrez. L'année dernière, j'ai eu une discussion avec un homme très prospère habitant à Hilo, à Hawaï. Au cours de cette conversation, il m'a confié avec tristesse « Je ne suis personne et je n'intéresse personne ». C'était bel et bien le cas, car lui-même ne se respectait pas et ne s'aimait pas. Et il se montrait particulièrement critique envers lui-même, bien qu'il possédât beaucoup de biens immobiliers et des comptes en banque bien garnis. Si vous êtes cruel ou malveillant envers vous-même, les autres le seront également, ils seront durs avec vous. Car ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Je lui ai expliqué qu'en passant son temps à s'autocritiquer et à se dévaloriser, il encourageait les autres à en faire autant. Je lui ai également confié que s'il ne s'attendait pas à être bien traité par son entourage, c'était ce qui allait se produire. Je lui ai fait comprendre que les richesses de l'infini se trouvaient en lui
et tout autour de lui. Comme l'a dit Shakespeare, tout est prêt si nos esprits le sont. Tout ce qu'il avait à faire était d'invoquer la présence et le pouvoir divin, lesquels répondraient à ses pensées. Il s'est donc tourné vers les grandes vérités éternelles de la Bible que je lui conseillais. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais le fruit de l'Esprit est la charité, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur et la tempérance. D'une manière ferme, tu assures la paix parce qu'en lui, tu te confies. Dans toute ta conduite, sache le reconnaître et lui dirigera tes démarches. Compte sur lui, il agira. Réjouissez-vous et soyez heureux que l'être infini vous ait créé. Sachez que l'esprit infini est toujours avec vous et possède le pouvoir de vous guérir, de vous restaurer et de vous donner de l'énergie. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et l'essence divine qui vous habite vous guérit en cet instant. En résumé, si vous pensez que vous êtes un raté, vous ne pourrez qu'échouer. Tournez-vous plutôt vers la réussite. Prenez conscience que vous êtes né pour gagner et que l'infini ne peut être vaincu. Imaginez que vous êtes prospère, heureux et libre, et vous le serez. Ce que vous pensez et ressentez avec votre esprit conscient s'incarne dans votre subconscient et se manifeste dans votre expérience de vie. Telle est la loi de l'esprit, et elle est inaltérable, immuable et éternelle. Par-dessus tout, vous avez besoin de croire en vous-même, en ce que vous faites et en votre destin ultime. La confiance en soi prend toute sa dimension lorsqu'elle se voit accompagnée de la croyance que votre moi véritable est Dieu et qu'avec Dieu, tout est possible. Pour établir une confiance en soi, la première étape consiste à croire que le pouvoir infini est en vous. Que possède une personne extrêmement riche ou un grand homme d'affaires que vous n'ayez pas? Une seule chose, la confiance en soi. Ces personnes croient en elles et au pouvoir qui les habite. La confiance est une foi placée dans un principe et dans les pouvoirs de l'esprit. Décidez maintenant, à cet instant, que vous pouvez obtenir ce que vous désirez, être ce que vous souhaitez sincèrement être et avoir ce que vous voulez posséder, et il en sera fait selon votre conviction. Fin du chapitre 1. La puissance de votre subconscient pour améliorer la confiance et l'estime de soi par Joseph Murphy. Lecture par Olivier Hirion.